إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي نقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه الدروس، أيها المعجبون بهذه القناة، فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أرجو منكم تشجيعنا باللايكات ديالكم، وشكرا جزيلا مسبقا. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا تيليفون دو ماشين، جيسبر كو فوز الي توجور تري 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 بيان كوم دابيتود. ما بريزونس اوجوردي ايسي سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو ماتيماتيك، سي اون لوسون ديستيني اوز ايكولي اي اوز ايكولي دو لا كاتريام اني اونسيومون فوندامونتال سي ام 1. بون سويا كونتيف اي سويي بيان. Mais c'est un quatrième année enseignement fondamental, les nombres décimaux. Donc la leçon d'aujourd'hui qu'on va essayer de vous identifier, c'est les nombres décimaux. Al-A'dad, Al-A'shariya, introduction au cadre. L'objectif de l'apprentissage. Donc chaque leçon a un objectif à atteindre. Alors l'objectif de la leçon, c'est de reconnaître les nombres décimaux. Ma'rifat al-A'dad al-A'shariya. إكريتو كتابة الأعداد العشرية، الرمز ديال الأعداد العشرية، لا ليكتور، لا ليكتور دان نومبر ديسيمال، صافي كون لا سوم دان مونتي، لا سوم دان نومبر مونتي، بلوس اون فراكسيون ديسيمال، صافي اون فراكسيون ديسيمال، كون بو غوميتر ان نومبر ديسيمال، لا فراكسيون كي بور دينوميناتور 10 بيان 100، سي اون فراكسيون ديسيمال. Alors, quant à la construction du concept binaire de fond, en prolongeant le tableau de numération, en prolongeant le tableau de numération, au-delà de la colonne des unités, avec les colonnes des dixièmes, donc, on peut écrire les fractions décimales sur fond d'un nombre avec lui. Donc, il y en a un exuba, la fraction, un nombre avec lui. Alors, complète le tableau. On va essayer de compléter le tableau. Nous avons la case, la colonne. Écriture fractionnelle, qui sert à Kassaria. Nous avons la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centièmes et l'écriture avec lui. Maintenant, qui sert à Kassaria. Prenons l'écriture fractionnelle 1 dixième, ça veut dire 1 sur 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 morceau sur 10 morceaux. La part, mais la chara vient des parts. Donc, 1 dixième, ça veut dire. Le chiffre après la virgule, les dizaines et les dizaines. Donc on a les unités 0, il n'y en a pas. On a les dixièmes 1, ça veut dire 1 sur 10. Donc, et les centièmes, il n'y en a pas. Donc 1 dixième, ça veut dire 0,1, ça veut dire 0 unités et 1 dixième. Voilà l'écriture à virgule. 4 dixièmes, ça veut dire 4 sur 10. Si on fait la division de 4 sur 10, on va trouver 0,4. Donc 4 dixièmes signifie 0,4. Donc 0 unité. Et 4 dixièmes, les centaines, il n'y en a pas. Alors 0,4, c'est l'écriture des décimales. 1 centième, ça veut dire quoi? 1 sur 100. 1 sur 100. Donc 1 sur 100, si on fait la division, on va trouver 0,01. Donc voilà l'écriture décimale, 0,01. Donc, il y a 0 unité, il y a 0 dizaine, il y a 1 centième. Il y a 1 centième. 28 centièmes, ça veut dire 28 sur 100. Alors, si on fait la division 28 sur 100, on va trouver 0,28. Voilà l'écriture décimale. L'écriture à virgule. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 0 unité, 2 dixièmes et 8 centièmes. Donc, voilà l'écriture d'un nombre. Décimale, transformation d'une écriture fractionnée à un nombre avéré, ça veut dire un nombre décimal. Bien voilà, je termine l'explication.
Alors, je termine l'explication sur notre tableau. Nous avons 28 sur 100, c'est une écriture fractionnelle, qui est égale à 0,28. Hein? 0,28, ça veut dire 0 unité et 28 centièmes. Alors, est égal à 0 unité plus 2 sur 10 plus 8 sur 100. Alors, si on fait la division, alors 0 plus 0,2 plus 0,208, ça va donner 0,28. Donc voilà, l'écriture a calculé. Complète 14 sur 10. Alors, c'est une fraction, c'est une écriture fractionnelle. Nous avons 4 unités et 1 dizaine. Alors, 1 dizaine, ça va donner 10 sur 10 plus 4 sur 10. Ça veut dire qu'on a le même dénominateur. On a le même dénominateur. Donc, est égal à 4 sur 10. 10 sur 10 est égal à 1. Et 4 sur 10 est égal à 0, à 10 sur 4. 10 sur 4 sur 10. Alors, ça veut dire l'écriture est signée 1 plus 0,4. Alors, 1 plus 0,4 est suivi 1 unité et 4 dixièmes. Ça me fait 5 secondes. 1 زائد 0 فاصلة 4 وتنقراوها 1 وحدة واحدة و 4 ديال 10 و 4 ديال 10 217 sur 100 c'est une écriture fractionnelle. Nous avons 200 donc on va écrire 200 sur 100 plus 17 sur 100. Alors 200 sur 100 ça va donner 2 et 17 sur 100 elle va rester comme ça, 17 sur 100 qui s'écrit, on peut écrire cette écriture là sous la forme 200 sur 100 égale à 2 et 17 sur 100 égale à 0,17. Si on fait la somme, ce n'est 2 unités et 17 centimes. 2 unités et 17 centimes. Ça veut dire 2,17. Voilà. Troisièmement, complète, on donne l'exemple. Nous avons un tableau qui contient 4 colonnes, le nombre, la décomposition, la partie entière et la partie décimale. Prenons l'exemple, il y a le nombre 5,4, c'est un nombre décimal, c'est un nombre intrusieux, c'est un nombre avec U, donc il est composé de 5 plus 0,4, ça veut dire 4 dixièmes, qui est égal à 0,4, 5 unités. La partie entière c'est 5, la partie décimale c'est 4. 13,2, c'est un nombre décimal, écrit sur la virgule, 13 unités plus 2 dixièmes. Voilà, 13 unités plus 0,2, ça veut dire 2 sur 10. La partie entière, c'est 13, la partie décimale, c'est 2. 8,37, donc il est égal à 8, plus 0,37, plus 0,37. Alors, il est égal à 8, c'est un nombre entier, plus 37, la partie décimale. 6,1, est égal à 6, le nombre entier, le wahda, c'est un dixième. Un dixième, ça veut dire 0,1. Donc on va mettre 6, 6 plus 0,1. Alors la partie entière, c'est 5. Oui, la partie entière, c'est 6. Et la partie décimale, c'est 1. Donc voilà, la partie entière, c'est 6. La partie décimale, c'est 1. Donc voilà le tableau concernant le nombre décimal, la décomposition, la partie entière et la partie décimale. Activité de mathématisation. Écrivez le nombre à virgule qui s'adresse à la surah Adad Ashari. Nous avons 5 dixièmes. 5 dixièmes, ça veut dire 5 sur 10. Ça veut dire 0,5. Nous avons 8 unités. Tu viens de voir 5 dixièmes. Donc, ça va donner 8,5. 34 centièmes, ça va donner 34 centièmes, ça veut dire 34 sur 100. Donc, il n'y a pas d'unité. Donc, 0 unité, et que 34. 2 unités est égal. 2 unités, c'est combien centimes? Ça veut dire 2 unités, virgule, c'est combien? 2 unités, virgule, c'est combien? Donc, voilà l'écriture à virgule. Ça veut dire l'écriture d'un nombre décimal avec la virgule. Bon, voilà, je termine l'explication. Alors, nous avons une unité, 4 centièmes. Une unité, bon, ça s'écrit une unité, virgule 0. Donc, voilà, l'écriture avec une écriture décimale. Écrit comme dans l'exemple, 15 sur 10 est égal à 10 sur 10. Donc, on va écrire une dizaine, voilà, 10 sur 10, plus 5 sur 10, qui est égal à 1. Alors, 10 sur 10 est égal à 1.
6 sur 10 égale 0,7. Si on fait la somme, on va trouver 1,7. Donc on a transformé l'écrit sur décimal à un nombre à virgule. 13 sur 10 est égal à 10 sur 10 plus 3 sur 10, c'est la même chose. 10 sur 10 est égal à 1 et 3 sur 10 égale 0,3. Si on fait la somme, on va trouver 1,3. 175 sur 100 est égal à 100. Voilà, 100 sur 100 plus 75 sur 100. Alors 100 sur 100 égale à 1, 75 sur 100 égale 0,75. Si on fait la somme, on va trouver 1,75. Donc voilà, l'écriture à virgule, c'est un nombre décimal. 235 sur 10. Alors ici, nous avons le dénominateur 10, donc nous avons 235 avec 200 sur 10 plus 35 sur 10. 200 sur 10 égale à 20. Et 35 sur 10 égale 3,5. Si on fait la somme, nous avons 20 unités plus 3 unités, ça va donner 23, plus 0,5, ça va donner 23,05. Donc voilà l'écriture à virgule de la fraction, bien de l'écriture des fractionnaires. 106 sur 100 égale à 100 sur 100. Voilà, 100, une centaine, 100 sur 100, plus 6 sur 100. Alors 100 sur 100 égale à 1, et 6 sur 100 égale à 0,06. Alors si on fait la somme, 1,06. Voilà l'écriture des décimales. Écrire un nombre à virgule. 4 unités 8 dixièmes, ça va donner 4 plus 8 sur 10. 8 dixièmes, 8 sur 10, ça va donner 4 plus 0,8 est égal à 4,8. 35 centièmes, ça veut dire 35 sur 100. 35 sur 100 est égal à 0,35. 3 unités, 6 centièmes, ça veut dire 3 unités, plus 6 centièmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 sur 100. Alors, 6 sur 100 égale à 0,06, plus 3, ça veut dire 3,06, l'écriture décimale. Deuxièmement, écrit les parties décimales de ces nombres. Et maintenant, on va nous couvrir juste la chérie, faites la lettre la chérie. 2,8, c'est un nombre décimal, il est composé de deux parties. Voilà la partie entière, voilà la partie décimale. Alors, quelle est la partie décimale? C'est 8. 10,54, la partie décimale, 6,54, voilà. 5,06, la partie décimale, 6,06, voilà. Donc, voilà la leçon d'aujourd'hui concernant les nombres décimaux, la partie entière, la partie décimale, les unités, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Transformation d'une écriture fractionnaire en une écriture algébrique, c'est-à-dire écrire une écriture fractionnaire sous forme d'un nombre décimal avec une virgule. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer les leçons. Au revoir et à bientôt.